Bonjour, je m'appelle Fabiola et aujourd'hui je vais vous parler du genre et de son lien avec l'émigration. Dans le monde entier, il n'y a jamais eu autant de personnes en mouvement. Et la moitié d'entre elles sont des femmes et des filles. Pourquoi devons-nous en parler? Alors si nous mettons nos lunettes de genre, nous verrons des expériences différentes en regardant les histoires des hommes, des femmes, des filles et des garçons. Alors comment ça se passe? Une jeune femme qui n'est pas autorisée ou encouragée à viser pour des emplois de qualité ou une éducation peut se tourner vers l'étranger pour les trouver. Ou elle partira pour échapper à la pression familiale ou au rôle contraignant de la société. Pourtant aujourd'hui, tant de femmes n'ont pas accès aux informations liées aux risques et aux réalités de la migration, ce qui les pousse dans un grand inconnu, souvent sans préparation. La migration irrégulière peut être dangereuse pour tout le monde, mais les enjeux sont encore plus élevés pour les femmes migrantes. Elles n'ont pas toujours la possibilité de payer les frais de passeurs et se retrouvent plus souvent piégées dans des situations d'exploitation, d'abus sexuels et de traite d'êtres humains. Si une femme parvient à destination, elle gagnera moins d'argent que les hommes. Mais elle enverra probablement une plus grande partie de ses gains pour soutenir sa famille dans son pays. Et en envoyant des petites sommes plus souvent, elle finira par payer plus de frais de transfert sur le long terme. Mais il n'y a pas que des difficultés sur son chemin. L'argent n'est pas la seule chose qu'elle envoie chez elle. Exposée à des cultures et des expériences différentes, elle contribue à changer les normes culturelles de sa communauté, ouvrant la voie à d'autres jeunes filles. C'est pourquoi il est important que nous la soutenions à chaque étape de son parcours. Voici ce que vous pouvez faire pour renforcer l'égalité des genres là où vous êtes. Plaidez pour l'égalité devant la loi, dans l'emploi et la mobilité. Combattez la discrimination dans tous les aspects de la vie quotidienne. Informez-vous sur toutes les façons dont le genre avec la migration. Pour en apprendre plus, cliquez sur le lien suivant. Compass. Orienter les migrations sûres.